Bonjour à tous et à toutes mes chers amis. Je vous souhaite une bonne année 2022. Donc bienvenue pour les tirages de la première quinzaine du mois de janvier 2022. Tous mes voeux pour cette année, qu'elle soit bénéfique, pleine d'amour et de santé, je vous le souhaite. On va regarder ensemble quel sera le signe aujourd'hui pour cette première quinzaine de janvier. Alors, on va choisir le signe. Ce sera pour la Vierge. Donc, on va voir ce qui va se passer. Donc, n'hésitez pas à regarder les tirages de la semaine. Ça peut bien sûr correspondre un petit peu à ce que j'ai fait donc pour cette première semaine hein, jusqu'au 9 janvier. Là, c'est du 1er au 15 janvier pour Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge. Vous avez un message de datation qui peut vous être important. Donc, les 6 semaines ou les 6 mois. Donc, peut-être notez ces dates qui peuvent vous être importantes par rapport à un projet ou quelque chose qui peut résonner avec ces dates-là. On va regarder deux cartes d'énergie ici avec le tarot psychique. Donc, je vais demander pour les vierges du 1er au 15 janvier 2022. Pas me tromper, si je me prends, me trompe, ça arrive encore un petit peu 2021, mais on est bien en 2022. Donc, les vierges du 1er au 15 2022, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Alors, j'en ai déjà une qui est sortie, hop. Le sacrifice, Vierge, 1er au 15 janvier 2022. Vierge, 1er au 15 janvier 2022. Je vais regarder la coupe. Alors, on nous dit de bien écouter votre intuition. Ici, on a la connexion avec cette carte. Vous voyez où il ferme les yeux pour ne pas être influencé par peut-être des influences extérieures. Et en face de lui, il a l'univers. Donc, il faut écouter ce qui vient des messages de l'univers que vous recevez. Hein, la petite voix que vous recevez, que vous ressentez. L'écoute de votre troisième œil qui va vous aider durant ce mois. Durant cette période, on va dire plutôt comme ça. On nous dit d'être équilibré ici dessous sur la coupe. D'être en équilibre par rapport à la vérité. Quelle est votre vérité, chers amis vierges? La première carte qui est sortie, c'est le sacrifice. On peut nous parler que dans un passé proche, vous avez dû vous sacrifier peut-être pour certaines choses, mais qui sont positives, parce qu'on a les fleurs de lys et l'arc-en-ciel. Donc, un sacrifice important, un sacrifice où vous mettez quelque chose de côté, où vous avez dû gérer ou supprimer de votre vie pour aller vers quelque chose de nouveau, une situation nouvelle. Donc, essayez de voir à quel niveau, hein, personnel, pour un déménagement, un travail, une relation. La deuxième partie de la coupe, on a que vous êtes au bout d'un chemin. Vous arrivez vraiment au bout d'un chemin, comme beaucoup de signes, bien sûr. Vous avez terminé une partie de votre vie dans un domaine. Vous avez plusieurs directions qui s'offrent à vous, ici les vierges, et qu'il va falloir en prendre une. Donc, ce début du mois, début d'année, direction à choisir, choix à faire. Écoutez justement votre intuition, elle est là pour ça, c'est elle qui va vous guider. Donc lâchez le mental, hein. Lâchez vraiment le mental, c'est pas ma mère qui m'a dit de, c'est pas les gens ils font comme ça, donc il faut. C'est moi, qu'est-ce que j'ai besoin pour moi le vierge, ascendant vierge, lune en vierge. Je précise bien, vous pouvez regarder votre ascendant et vous pouvez regarder aussi votre signe lunaire. Donc bienvenue sur les guidances de Shiva, chers amis, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Cliquez simplement la petite cloche du haut à droite pour recevoir toutes les vidéos. Comme ça, vous n'oublierez pas de regarder celle de 2022 ou de la semaine. Et si vous voulez une guidance personnelle, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous réponds 2-3 jours. Alors, on va regarder 4 cartes ici du petit Lenormand qui vont me donner des informations. Donc, je vais regarder le petit Lenormand, le tarot, la triade et l'oracle des miroirs. Les vierges du 1er au 15 janvier 2022. 1er au 15 janvier 2022 pour les vierges. 2022 pour les vierges. On cherche son chemin et on a coupé avec le passé. Ok. Vous êtes encore en train de chercher ici votre voie. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Alors, je prends 4 cartes. Vierge 1er au 15 janvier.
et on va voir ce qu'elles ont à nous dire. Et je vais le recouvrir avec un petit Lenormand plus petit pour donner plus d'informations. Il y a eu beaucoup de difficultés. On nous dit que vous avez surmonté des montagnes, des problèmes. Ce n'était pas évident, comme pour beaucoup de monde. Mais pour moi, c'est le passé. Pour moi, c'est fini parce que je vous avais dit, beaucoup d'entre vous, vous avez réussi à vous affirmer, à trouver votre voie et à aller jusqu'au bout de vos décisions. Donc, les décisions, vous en avez prises par rapport à la coupure de certaines choses, certaines situations. Mais peut-être là, vous êtes au bout d'un événement et vous avez quand même vraiment cette notion de plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Donc on a terminé avec les problèmes et les difficultés que vous avez surmontées avec force, courage, persévérance. On parle bien de vous, le Vierge. Et avec le Serpent, pour moi, il y a une grande mue. C'est ce que je ressens. Il y a une grande mutation, un grand changement. Vous changez de peau, vous rajeunissez. Vous rajeunissez et surtout, vous changez de peau, vous changez d'être. Vous devenez un nouveau Vierge, si on veut, avec cette année 2022. Ce qui est très, très bien. Parce que je vous l'ai dit, vous quittez un petit peu des influences extérieures pour être complètement indépendant. Alors, on va couvrir ces cartes. 1er au 15 janvier 2022 pour les Vierges. 1er au 15 janvier 2022. Quand vous avez usé vraiment de force, vous avez pris les choses en main, c'est très bien ça. Vous voulez que les choses se passent bien maintenant pour vous. Vous changez de peau totalement là. Ouais. 1er au 15 janvier pour les Vierges. 2022. Alors... Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à la montagne? Oui, il y a encore peut-être cette influence du passé qui est là. Il y a quand même une semaine, un début janvier qui est encore placé sous quelques petites difficultés. Quand on est entre deux situations, c'est pas facile, il y a certainement des choses à régler. Mais ça va passer. Vous voyez, à nouveau le serpent. Pour moi, ce n'est pas des personnes négatives, hypocrites autour de vous. C'est ce changement intérieur que vous opérez. Vous avez comme deux fois cette carte. Même si on pourrait la voir dans ce tarot, dans cet oracle, pardon, de manière négative, pour moi, non. C'est par votre travail intérieur que vous avez fait un changement important de personnalité et de voir la vie différemment. Donc, vous devez bien sûr ici trouver justement une voie, trouver des solutions par rapport à une situation, par rapport à une affaire. Essayez d'adapter à ce que ça peut vous concerner. Pour le moment, on n'a pas vraiment de domaine. Les nuages passent, donc ces difficultés de début d'année, ça ne va pas durer. Hein, sachez-le, vous trouverez la réponse à votre situation et ça concerne le travail. Vous avez fait un grand changement professionnel. J'avais vu pour certains que vous avez quitté aussi des entreprises familiales, vous avez peut-être quitté une entreprise où il y avait vos parents pour créer votre propre projet ou créer votre propre entreprise, d'accord? Comme vous êtes maintenant différent, vous voyez les choses autrement, on voit que vous allez trouver la nouvelle voie pro, peut-être qu'elle n'est pas encore très claire, ici on va voir par la suite, mais ça parle bien du travail, hein. Là on a quand même un domaine qui ressort, qui est le travail. On va voir la suite avec le tarot. Qu'est-ce qu'il va nous dire pour les Vierges du 1er au 15 janvier 2022 pour les Vierges. Qu'est-ce qu'on a comme message? Vierge, 1er au 15 janvier 2022. Vous savez tous qu'on a beaucoup de fin, de renouveau, on est en plein dedans. Là, on voit que vous êtes en période de transition et que les difficultés sont plus ou moins derrière. Hein. Il y aura peut-être encore quelques petites difficultés, mais qui sont passagères. Alors, les Vierges, 1er au 15 janvier 2022. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le diable. On a le diable en pour. On a, alors, je crois que je l'ai même vu dans le tirage de la semaine. Vous pouvez regarder, hein, celui de la nouvelle lune et de la semaine. Les Vierges,
on parlait de passion, que vous voulez vous diriger vers votre passion. Ce n'est pas une énergie négative, c'est une énergie positive. C'est vers ce que vous devez aller. Donc, vous quittez peut-être un emploi forcé ou pas plus, ou qui vous correspond plus. C'est une fin de cycle pour aller vers votre indépendance professionnelle. Et surtout, on nous dit, vous allez aller vers votre passion, vers ce que vous avez envie de faire, qui vous tient très à cœur. D'accord? Avec l'intuition, ben, vous allez certainement le savoir. Peut-être vous le savez déjà, certains amis vierges. On voit effectivement que la roue, dans un passé proche, a tourné en votre faveur. Il y a eu du changement, changement positif. La roue tourne, donc il y a peut-être un déblocage qui se fait aussi, après peut-être une période de pause. Je ne sais plus si j'avais dit qu'il y avait un arrêt ou une pause momentanée. Mais là, on nous dit action, direction, ta passion. Oui, il y a vraiment des choix à faire. Bon, vous aurez, alors c'est peut-être ça les nuages, quelques difficultés à faire des choix. Je ne pense pas que c'est amoureux, mais plutôt professionnel, donc adapté toujours. Vous avez bien, en début d'année, une direction à prendre. Alors voilà, si vous avez plusieurs propositions de vous mettre à votre compte, de créer ou de rentrer dans une nouvelle entreprise, de créer la vôtre, écoutez votre cœur, écoutez votre passion et allez dans cette direction. Et en plus, vous allez être protégé par l'univers. Vous avez l'étoile en réponse, donc qui est positive parce que là, l'étoile, elle vous protège déjà. C'est une protection spirituelle et puis elle va vous guider. C'est les signes qui sont mis sur votre chemin, c'est des éclairages, c'est aussi une notion de tempérance. Hein. Il y a encore un petit peu besoin de temps. On voit quand même cette eau de tempérance un petit peu qui prendra du temps. Mais suivez les signes, suivez, il y a votre intuition plus les signes de l'univers qui vont vous aider à trouver votre voie. Là, elle n'a pas l'air encore définie, les chers amis vierges. Donc, ce sera vraiment une notion de réflexion. On va voir avec la triade. Maintenant, plus au niveau de votre vie émotionnelle, psychologique, qu'est-ce qu'il y a eu? Alors, les vierges du 1er au 15 janvier 2022. 1er au 15 janvier 2022 pour les vierges. Vierges 1er au 15 janvier 2022. 1er au 15 janvier 2022, qu'est-ce qui se passe pour les vierges? On me dit que vous avez passé par une initiation, vous avez appris beaucoup, beaucoup de choses, peut-être durant l'année 2021, ce qui est une bonne chose. La coupe, ouais, l'initiation qui ressort, par rapport à des choses qui étaient difficiles, on a vu le monde tout à l'heure, les difficultés, eh bien, ça vous a peut-être fait mal, hein, ou on vous a fait du mal. Il y a une situation qui est, là, le poignard, c'est pas, ça peut être de la tromperie, mais bon. Il y a une situation douloureuse, mais qui vous a permis d'être dans l'apprentissage, de comprendre les choses, d'aller vers votre moi intérieur, d'accord? Donc, c'est plutôt à prendre de manière positive. Alors, on va prendre 5 cartes. Les vierges, 1er au 15 janvier. Vierge, 1er au 15 janvier. 2021, je prends 5 et 4 cartes avec la triade. Vierge 1er 15. C'est souvent un oracle que j'aime beaucoup, qui parle bien de ce qu'on a vécu de manière interne dans notre psyché, dans notre tête, dans notre intellect aussi. Alors, écoutez votre intuition, encore une fois. Donc, ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est... Par exemple, si vous devez faire un choix, vous mettez sur une liste, alors, 3 choix. Vous dites, est-ce que je me vois aller là-dedans? Si vous sentez un malaise, c'est non. Est-ce que je me vois aller dans cette direction-là? Si vous avez mal au ventre, c'est non. Hein, c'est vraiment le ventre, le ressenti qui vous le dit. Si vous disiez, si vous voyez une nouvelle direction, un troisième choix, et vous sentez ici la joie, donc parce qu'on a vu votre passion, eh bien, c'est... C'est juste. Ce sera cette voie-là qu'il faudra prendre. Après une période de pénitence, il y a eu alors des erreurs, d'accord? Un renouveau. Il y a peut-être des erreurs que vous avez fait pendant le passé, ou peut-être un passé présent, ou qui a duré trop longtemps.
bah, peut-être justement de faire quelque chose qui n'était pas en accord avec vous-même. C'est se mentir à soi-même, c'est se trahir quelque part. Hein. C'est grâce à ce travail d'introspection pour moi, c'est ça, les frères, se regarder en face. Travail d'introspection où vous vous êtes dit, bon, y a peut-être un échec, il y a une erreur, il y a quelque chose qui se termine, ou ça ne me plaît plus, ça me fait mal ce que je fais. J'ai porté ce fardeau, hein. J'ai porté et accepté, j'ai fait pénitence par rapport à ce qui s'est passé. Je me suis trompée, j'ai peut-être croqué la pomme dans le sens que je voulais une situation de facilité, alors que ce n'est pas forcément ce qu'il faudrait. Et effectivement, il y a quelque chose de nouveau qui se profile pour vous. Pour moi, c'est dans le domaine du travail. Donc, écoutez votre passion, votre intuition. De toute façon, la situation pro, elle est en train de germer ici et de naître tout bientôt. Tout bientôt, tout bientôt. On a à nouveau la clé. Donc, il y a des situations qu'il faudra trouver. Il y a eu de l'adversité, hein. Il y a eu de l'adversité. Waouh, on va vers du bon. Il y a eu une période difficile, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais votre travail d'introspection est vraiment positif ici. Il est totalement, totalement bon pour vous. Parce que c'est comme ça qu'on avance et qu'on évolue. Ce n'est pas en mettant la faute sur les autres, etc., qu'on va résoudre nos problèmes. Donc, trouvez cette solution, faites ce choix durant cette période. Ça peut aller jusqu'au 15 janvier et plus loin. C'est élastique le temps. On voit qu'il y a eu de l'adversité, on a vu qu'on vous a fait du mal, il y a eu vraiment des personnes qui vous ont empêché hein, de faire votre vie, où on vous a proposé des choses mais qui n'étaient pas bonnes pour vous, vous avez peut-être cédé à ces propositions, mais vous avez grâce à l'univers une double protection, vous avez le sceau, donc ça va être acté, vous allez avec l'étoile être protégé par l'univers. Avec le sceau de Salomon, vous êtes protégé encore une fois, donc ne vous faites pas de soucis pour ce changement, il est acté, il se fait. Hein, il y a vraiment eu deux fois ce serpent où vous muez, vous transformez complètement pour ici donc aller vers quelque chose qui va être officiel, hein, marqué, et ce sera vraiment, vraiment bénéfique. Vous sortirez bah, d'une période de sacrifice, hein, difficile. Vous avez payé quelque part vos erreurs, vous avez subi ou cédé à des situations qui n'étaient pas forcément bonnes pour vous. Voilà. Mais on voit qu'il y a une renaissance qui se profile. Donc, il n'y aura pas de projet tout de suite qui va se faire, en tout cas pas jusqu'au 15, j'ai l'impression, mais par la suite, quelque chose de nouveau qui va naître. Adaptez-le à votre situation. Donc, voilà un petit peu, et surtout, vous allez vers les rêves que vous voulez avec le soleil, la meilleure carte. Vous avez la lumière, vous allez vers ce qui est en accord avec vous, vers vos rêves. Ouais. Le diable tout à l'heure, c'était la passion intérieure. Donc, suivez cette passion, c'est votre voie, c'est votre vie actuellement pour 2022. Ça va vous apporter le bonheur et la réussite. On va voir un petit peu plus en détail avec l'oracle des miroirs de quoi il nous parle. Mais vous avez quand même subi hein, des choses vraiment difficiles parce que chaque tirage, on a eu la montagne, l'adversité, le poignard. Je vais regarder ici avec l'oracle. Les miroirs, comme je vous ai dit, pour vous les vierges, du 1er au 15 janvier 2022, qu'est-ce qui se passe pour les vierges? Restez jusqu'à la fin du tirage pour votre conseil des messages angéliques qui vous diront comment faire, quels conseils, même si on en a déjà plusieurs qui sont sortis. Quel message pour les vierges du 15 au 30 janvier 2022? 15 au 30 janvier 2022. Vierge. Oui, on tend vers ses rêves, exactement. Vous tendez vers vos rêves. Il y a le soleil, il y a la notion d'amitié, de fidélité qui peut parler ici d'aide de vos amis ou de soutien moral par rapport peut-être à des personnes qui ne veulent pas vous voir réaliser certaines choses. D'accord, chers amis? Mais on va vraiment vers ses rêves, ça c'est super. Très important, j'ai toujours allé vers vos rêves, chers amis. Réaliser, on n'est pas né pour faire des choses qu'on n'aime pas. Hein. Alors, Vierge 1er au 15 janvier 2022. Hop. J'ai pris 5 cartes aussi pour vous. Ensuite, on va voir votre conseil.
Alors, vous avez déjà la victoire, donc c'est vraiment la réussite. Il faut faire ce changement, mais je pense que vous n'allez pas revenir en arrière. C'est le changement, la mutation, la mue totale en fait en vous pour un renouveau. On a quand même eu le domaine du travail, donc on va voir. Oui, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec vous, hein, mais vous avez la victoire sur ces accusations, ces personnes qui ne veulent pas que vous fassiez ci ou ça. Il y a des adversaires, alors je ne sais pas dans quel niveau, dans quel domaine, c'était dans la famille, si c'était dans le pro, qui ne voulaient pas vous voir quitter quelque chose, mais moi je sens que ça s'est terminé, que vous avez coupé pour un renouveau qui vous apporte la victoire. Donc, de toute façon, par rapport à ça, il n'y a pas de souci à vous faire, là non plus. Il n'y a aucun problème, vous êtes protégé et c'est acté, vraiment ça va se faire, n'en doutez pas. Oui, il y a des gens qui sont jaloux, voilà, voilà, ils ne veulent pas vous voir réussir, hein. Là, la jalousie, ils veulent vous garder, comme je vous l'ai expliqué, ils sont jaloux de votre changement, de votre décision, et de toute façon, pour vous, décision sera prise, c'est comme le sceau de Salomon, ça va être acté, définitif. C'est ce qu'on peut voir. Alors, je ne sais pas si vous allez même devoir aller jusqu'au prud'homme pour certains avec la justice, l'accusation ici. Mais vous allez avoir gain de cause. Si vous devez vous défendre par rapport à des gens jaloux ou des gens qui ont peut-être fait de la diffamation, des critiques par rapport à votre voix, à votre envie de changement, que vous êtes parti. Parce qu'on voit que vous avez fait des sacrifices, mais ce n'est pas bon. Hein. C'est quoi? Pas bon. Dans un sens, maintenant, le bonheur arrive. L'arc-en-ciel, c'est le bonheur. Vous faites donc le choix du cœur. Et puis, on va regarder le conseil ici pour vous. Avec les messages angéliques. Donc, on va demander pour les vierges. Conseil pour les vierges du 1er au 15 janvier 2022. Quel conseil? Donc, quand je vous ai dit au niveau timing, ça ne va pas être encore maintenant. Vous verrez, il faut définir votre choix. Quand il sera défini, vous pourrez commencer. On a peut-être cette datation, 6 semaines. Hein. Moi, je le sens plutôt que 6 mois. Ou 6 mois que ça dure, c'est problématique ou quelque chose comme ça. Conseil pour les vierges. Quel conseil pour cette période du 1er au 15 janvier 2021? Alors, bon, on nous dit dans les prochains mois. Alors, je voyais 6 mois, je me suis dit, bon, c'est un peu loin. Alors, est-ce que le commencement sera dans 1 ou 2 mois? 6 mois, c'est beaucoup. Je vais prendre une autre carte. En tout cas, on nous dit dans les prochains mois. Ouais, il vous faut encore trouver plus d'infos. Et il y a encore du flou pour ce début janvier. On verra si ça continue dans la suite du mois, début février. Il vous faut encore vous former, chercher des infos pour vraiment aller dans la bonne direction. C'est important ici pour vous. Chers amis vierges, il vous faudra donc vraiment aller sur le chemin qui n'est pas facile parce qu'il y a quand même plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Donc, il faudra réfléchir, trier et prendre le bon chemin. Vous n'en avez pas qu'une. Si vous aviez que le choix entre deux, ça irait. Mais là, il y en a même plus. Donc, peut-être des choix cornéliens, un peu compliqués, mais là, c'est pour votre vie, votre salut, votre santé, votre mental, etc. Pas tout de suite, tout de suite. Vous verrez, s'il y a peut-être justement des problématiques avec la justice ou avec les prud'hommes, il y aura aussi ça à régler avant. Vous êtes protégé, vous avez la victoire, donc vous ne faites pas de soucis par rapport à ça. Et puis, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça résonne en vous ou quel domaine ça touche le tirage hein, par rapport à votre situation, chers amis vierges. Voilà pour votre tirage de ce début janvier. Merci beaucoup pour votre retour. Et je vous souhaite le meilleur pour cette année 2022. À tout bientôt. Au revoir.